pense que le match, c'était un très bon match. Le plan technique déjà, le plan athlétique aussi. Nous avions une équipe du Vida qui, techniquement, était mieux outillée que nous. Qui, sur le plan athlétique aussi, était plus vive que nous. Voilà, donc, c'est un résultat mérité. Qu'est-ce que vous reprochez à votre équipe ? Bon, pas grand-chose, sinon que ces petites fautes d'inattention peuvent s'expliquer. Nous avons des jeunes qui découvrent un peu ce niveau de la compétition, donc c'est beaucoup plus au niveau de la concentration. Nous prenons deux buts pratiquement sur des petites erreurs, le marquage, d'inattention. Quels sont vos objectifs pour cette participation en chaque équipe ? Il y a deux places qualificatives pour les quarts de finale. Et notre objectif déjà, c'est de pouvoir arracher une des places. Donc, nous avons perdu le premier match. On a encore 5 matchs. Nous espérons toujours arracher une des places. Coach, avant de parler de Peter Jorun, coach Amouz, avait parlé du joueur de l'Université de l'Université. Vous connaissez déjà ? Je vous avais dit que c'est un bon joueur, plus un bon centre. Est-ce que vous avez déjà une idée sur les joueurs de Peter Jorun où il y a d'abord une blessure de l'Université ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons fait des recherches, nous avons quand même eu quelques vidéos de match et effectivement, ce que nous avons vu lors de ces vidéos et aujourd'hui n'a fait que confirmer ce que nous avons observé par rapport à ces deux joueurs, Jobor et le numéro 7. Est-ce que vous pensez que vos jeunes dont vous avez confiance, dans lesquels vous avez confiance, est-ce qu'ils seraient capables de surmonter les handicaps de 2-0 au match retour? Oui, oui. Nous allons jouer avec notre deuxième homme, comme le public qui a joué son rôle tout à l'heure. Nous aussi, nous comptons sur notre public. À domicile, je peux vous assurer que le match sera pas comme celui de ce soir. Est-ce que les résultats dans le surfeur de Cameroun n'ont pas eu un impact négatif sur le match aujourd'hui? Bien évidemment. Nous sommes à la 13e journée, nous avons joué que 13 matchs du championnat contre une équipe qui est pratiquement à près de 30 matchs. Donc ça s'est ressenti au niveau de la cohésion dans le jeu. Donc chez nous encore, nous sommes en train de. C'est une équipe nouvelle. Donc nous recherchons, nous sommes encore à la recherche de notre équipe type. En face, après une vingtaine de matchs, quand même, les automatismes sont déjà là. Évidemment qu'il y a eu cette équipe. Est-ce qu'il y a eu des absences aujourd'hui dans l'équipe type? Parce qu'il y avait des joueurs qui ne sont pas venus ou... Oui, nous avons quelques cas de blessures. Déjà, le latéral droit, c'est la première fois qu'il joue à ce poste. Donc, nous avons deux ou trois absences. Le gardien, ce n'est pas le gardien numéro 1. Numéro 1 est présentement avec l'équipe du Benoît. Donc, nous avons quelques manquements. Voilà. On a vu l'attaquant qui a un peu de poids. C'est un joueur titulaire. Il a l'habitude de jouer numéro 10 ou numéro 16. Numéro 18. Ouais, numéro 18. Oui. Il joue depuis quelques matchs. Il a pris pouvoir de la MSV. Déjà, il vient de reprendre. Ça fait à peine un mois et demi qu'il a repris les entraînements avec l'équipe et on est déjà en compétition. Donc, faire une préparation spéciale pour lui, alors que nous sommes déjà dans un effectif très très réduit, il faut que je vous dise que nous avons 22 joueurs. Présentement, 22 joueurs. Il y a deux en sélection. U23, il y a trois chez les moins de 17 ans, donc c'est avec un petit revenu que nous sommes définis. Vous étiez classé deuxième la saison dernière en championnat. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas plus le même niveau en fait, cette saison, vous avez joué pour l'instant 13 matchs, 4 victoires à faire, 7 matchs nuls. Vous saviez déjà que vous alliez jouer cette Champions League. Oui, je peux dire que c'est aussi une équipe qui est nouvelle. En commençant par moi, l'entraîneur, je suis là depuis 4 mois. Oui,
nous avons des joueurs qui sont partis, le gardien numéro 20 déjà, c'est le gardien numéro 3 de notre sélection Fagnon qui est parti. Et d'autres joueurs aussi sont partis. Donc nous avons recruté 4 ou 5 bons joueurs. Nous avons fait surclasser, c'est un jeune du centre, donc le latéral gauche, c'est un jeune du centre qui a été surclassé, qui découvre la perfection. Voilà pour la difficulté que nous avons en ce moment. Ça fait 13 matchs. Nous sommes confiants. Le championnat au niveau national, nous pensons que nous allons. Est-ce que c'est vrai que le gardien numéro 1 va partir en championnat de Norvège? Le numéro 1 actuel? Le gardien. C'est une information que vous nous donnez là. Non, non, ça circule dans la presse camerounaise. Moi, je ne suis pas connaissant de cette. Bien. Merci. Merci.